Maintenant, je répète, passez-vous. Je vais jouer là. Alors, je vais jouer Complainte de Maquis. Kurt, c'est toi? Kurt, Ray. C'est quoi? Ah, je sais pas, j'ai pas lu. Tu connais pas? Ah non. Complainte de Maquis. Kurt. Well. Kurt Well. Voilà. Extrait de l'opéra de Katsu. Ah, et de qui c'est l'opéra de Katsu? Il ne met pas. Bertolt Brecht. Cet air est très connu. Tu peux enlever ça. Non. La film, c'est bien. Non, attends. Fa, fa, sol, mi. Oui, c'est bon. Recommence, allez, vas-y. Je vais jouer Sarabande de George Friedrich Handel. Ah, Handel, eh oui. Qu'est-ce que tu vas jouer? Papy Rosen. Ah.
Qu'est-ce que tu vas jouer? Petrouchka. De Russie. De Russie. Tu veux jouer Dingenbus qui vient du SA. Ta-da, tu t'es trompé. Non, pas celui-là.
L'homme au trapèze volant. Bon, tu pourras l'enlever ça. Oui, oui, oui. Je vais jouer l'homme au trapèze volant qui vient de France. L'homme au trapèze volant qui vient de France. C'est bien. Tu attends des applaudissements. Oh mais c'est beau là, hein. Interpréter sans faire de faute. Geste D, écrit par Paul McCartney, né en 1942, et John Lennon, 1940-1980. Il avait 40 ans. Il s'appelait les... Lennon. Les Beatles. Oui. C'était les Beatles, enfin pas tous, il y en a deux. Interprétation magistrale.